Il queen ce jeu ou c'est moi? Non, non, c'est moi. Non, c'est le jeu qui queen. Comment allez-vous? C'est lundi, youpi, bienvenue dans cette deuxième semaine de confinement. Quoi? Je rigole? Pas du tout. Enfin, moi, je me marre. Je me marre parce que, franchement, vous mettez un hikikomori en confinement, c'est un petit peu comme enfermer un mec en prison. Il voit pas la différence, le gars. Donc, bienvenue, hein, bienvenue dans la vie des autres. Ça vous fera peut-être du bien ou du mal, va savoir. Apparemment, vous le supportez pas très bien. Et pourtant, je vous garantis qu'il y a des gens qui vivent des années comme ça, hein, c'est incroyable. Sujet du jour, un jeu. Oh, oui, mais pas n'importe quel jeu. On est lundi, c'est une nouveauté. Et vous savez quoi? On va cumuler le plaisir et le bonheur, puisque c'est une nouveauté. Shmup? Non. Si! Regardez-moi ça comme il est beau, regardez-moi ça comme il est frais. Oui, Project Starship X arrive sur vos écrans via Steam, entre autres. Et c'est un petit jeu indé vraiment rigolo. Parce qu'on se dit, ah, oh, encore un fan du 8 bits qui va nous faire un shooter complètement débile. Non, non, là c'est encore mieux que la débilité. Alors je sais pas si vous avez vu mon émission sur Freedom Fighter, qui est un excellent shmup aussi indé qui fait beaucoup rire et qui a une bande-son qui déboîte. C'est un petit peu le même genre ici, c'est-à-dire les gars ont pris le jeu et le thème du shmup tel qu'il était en brut, mais ont apporté ce fameux je ne sais quoi. Oui, il faut dire ça avec l'accent un petit peu anglais, le je ne sais quoi. Et vous allez voir le je ne sais quoi qu'ils ont mis dans Project Starship X, c'est assez monstrueux. Je spoil pas parce que je rigole d'avance. Alors je vous explique les contrôles, c'est relativement simple, il y a un tir, ouais. Et puis il y a un drift. Oui, on peut drifter dans ce jeu. Et vous allez voir pourquoi. Vous allez très rapidement comprendre. Est-ce que je laisse le son comme ça? Ouais, il est bien. Ça m'évitera de hurler par-dessus. Puis vous allez en prendre plein les feuilles de toute manière. Ouais, je le remonte un petit peu parce que vous êtes gourmand. De toute beauté, on y va. Pourquoi je suis hilar? Vous allez voir. Vous allez voir. Alors. C'est la démo du jeu, elle est disponible, vous pouvez la télécharger et l'essayer. Vous allez vite comprendre pourquoi je vous invite à l'essayer. Il est très bien, Garrett. Un vaisseau. Alors je crois que j'ai le drift qui est sur une gâchette. On va vérifier ça tout de suite. Ok. En fait, j'ai une gâchette pour tirer et le drift sur une touche. Vous allez voir ce qui se passe. Alors, mon vaisseau ralentit un petit peu hein, quand je tire. Comme dans les Dodonpachi, les caves. Mais pourquoi je drift? Voilà, pour passer à travers ça. Et oui, sinon, je vais avoir un problème. Alors la musique est terrible, c'est du pur 8-bit stylized, comme on aime bien, ou comme on n'aime pas, ça dépend. Et il y a ce fait de devoir hop là, passer à travers les hop là, obstacles avec cette jauge qui se recharge progressivement, qui n'est pas tout le temps dispo justement, faut faire gaffe. Et je m'applique. Hein. Et du coup c'est une jungle qui est assez rigolote. Oui la jungle. Ah. J'ai fait de la merde là. Et du coup, il vous faut temporiser quand même vos façons de drifter pour passer à travers les obstacles insurmontables. De manière à avoir une cohérence. Mad Event. Oh là là. J'avais prévenu, ce soft est complètement barré. Et il faut aller très très vite, c'est vraiment du réflexe. Ah, j'ai raté mon bonus. Je peux pas parler en même temps pour l'instant. J'attendrai un moment plus opportun pour vous tenir la jambe. Parce que la musique est terrible.
Et il faut dasher dans les ennemis parfois. Oui, oui, oui. Là, j'ai fait un combo. Et donc, tous ces dashs, ça vous rappelle quelque chose? Moi, inexorablement, j'ai pensé à un truc. Oui, j'ai pas pu m'empêcher de penser à DDR. Parce que ça vous fait faire quand même une sacrée gymnastique sur l'écran, c'est assez monstrueux. Et on s'y fait, hein. Et on s'y prend vite, du coup. Alors, chaque niveau, de ce que j'en ai compris, est généré avec un coefficient de random. Bon, les idées sont trouvées... elles sont assez potaches, on va dire. Mais le fait d'avoir des niveaux plus ou moins random, c'est assez intéressant parce que le jeu, ça va lui donner une damnée rejouabilité que les autres vont lui envier. Et du coup, ça reste un shmup très classique sur pas mal de choses, mais il vous balade quand même, il vous balade le pépère. Hein. Faut attendre de ready à chaque fois, c'est super rude. Ah, ah, ah. Je me suis fait avoir une fois de plus. Ah, il faut une sacrée synchro. Alors c'est pour ça qu'il me fait penser inexorablement à DDR. Parce que oui, il y a une grosse grosse synchro à avoir pour réellement profiter de son gameplay. Ah, pas fini. Et du coup, c'est super zarbi. Parce qu'au début, on a du mal un petit peu à prendre la temporisation, le rythme. Et petit à petit, ça vient. De toute façon, on n'a pas trop le choix sinon on crève. Hein. Donc je veux pas spoiler, mais quand même. Je crois que je lui ai fait la peau à ce sale. Oh, oulala. C'est lui qui m'a fait la peau. Faudrait que je le finisse. Finish him. Je vais crever. Oh non, non, pas en face d'un belu comme lui. Mal coiffé, mal rasé. Shield restored. Donc le gameplay est vraiment totalement particulier. Il est vraiment énervé. C'est à fond arcade. Ce jeu, oui, il mériterait d'être dans une borne, hein, vraiment. Parce qu'il est rapide, expéditif. Il y a un gameplay qui est très équilibré, mine de rien. Et donc du coup on a envie de le recommander. Et le fait d'avoir des niveaux en semi-random comme ça, bah si vous êtes bon le jeu va s'adapter. Et donc vous allez vous tra... Oui, il y avait un passage secret. La première fois j'ai beaucoup rigolé. Je sais pas quoi faire avec ces grenouilles. Et j'ai failli pas avoir le bonus. Qu'est-ce qui va se passer? Ah ah ah. C'est toujours une surprise. Alors faut pas que j'oublie de relâcher le tir parce que des fois ça peut des... Ah non 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 non. Et la musique qui part en sucette derrière. Ah je l'ai pris celui-là, je l'ai bien pris. Et c'est tellement drôle quand la musique se met accélérée comme ça pour vous mettre la pression. Vous en êtes pas large, je vous garantis. Calmos, on y va. C'est chou. Ah, j'ai pris cher, j'ai pris cher. Une chance, je suis tout petit. Ils vont baver pour me viser maintenant. Ils ont pas l'air commodes. On va les oublier. In, je tente. Oh, raté. Alors, je vous assure que c'est assez difficile de commenter le jeu. En même temps qu'on y joue. Parce que tout est fourberie, en fait. Je suis shielded. Nothing can happen to me because I am. Oui, j'étais luchador. Bon. Trop de passion. On va aller jusqu'au boss au moins. Oui, je suis avec la tourette. Normalement, on dit pute après. Je me suis emporté? Pas du tout. Alors, Snippy Snappy, là, je sais pas ce qu'il va me réserver, mais je le sens pas du tout. Non, soyons honnêtes. Et pourtant, j'ai méga tourette. Pute. Je
c'est pas fait exprès, c'est une maladie, hein, je... vraiment. J'y peux rien. C'est une maladie, faut me croire. Vous avez pas le choix de toute façon. Qu'est-ce que c'est que ça? Please stop your stupid. Il me menace. Ok, on va choisir un truc. Ça a l'air sympa, regardez. Bah, certainement. Je prends ça aussi? J'ai le droit? Non. Ok, je sais pas ce que c'est que j'ai pris. Le bonus que tu lues. Mais bon, vous l'aurez compris, ce jeu est un jeu de mutants. Et il est vraiment très drôle, quoi. Donc, la démo étant disponible sur le store de Steam, entre autres, peut-être sur le site du développeur aussi en direct, allez savoir. Je vous invite à mettre la main dessus sans plus tarder, parce que c'est particulièrement tordant. J'adore les moments où il vous met des warnings, et puis vous le voyez pas venir au début. Oh, les champignons. On va avoir un problème avec Nintendo, je pense. Ah, j'ai essayé de taper dans la... Je rigole trop pour être focus, en fait. Ah, j'ai raté le bonus, quelle horreur. C'est tordu. Ah, j'aurais bien aimé prendre le sens interdit quand même. J'ai bien fait de pas y aller quand même. Oh mon dieu, ce jeu. Et je vous avoue que j'étais pas allé aussi loin la première fois que je l'ai essayé. Je prends cher là. Je me fais ratatiner. Ah, j'ai raté le 4-7. Oh, c'est tordu, c'est tordu, vacherie. C'est chaud parce que du coup j'ai changé de vaisseau et celui-là fait juste des petits sauts de crapaud. Je vais pas vous le spoiler davantage. Non, foncez, foncez immédiatement, récupérez cette démo. L'essayer, c'est beaucoup mieux que le regarder. Et vous allez vraiment vous marrer, je pense. Menu. Et donc, c'était Project Starship X. Un shoot complètement barré. Un shoot à fond les bits, un shoot à fond le gameplay nawak. Je vous garantis que vous allez redécouvrir ce que c'est que d'avoir une synchro quand on pianote sur un pad. Ça va vite vous revenir, je le pense. Sur ce, je vous laisse avec les playlists habituelles. La généraliste seule des shmups et le bouton d'abonnement, amen.